viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Prosternons-nous devant.
35. Ils sont libres dans la graisse de ta maison, ô
ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les cœurs droits. Que le pied des superbes ne m'écrase, que la main des impies ne me chasse. Voyez, ils sont tombés les malfaisants, abattus sans pouvoir se relever. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captives de Jacob. Tu élèves les temps de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. Tu retires ton grand emportement. Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier? Et ton peuple en toi se réjouit. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis. Ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Roche son salut pour qui le craint. Justice et paix s'embrassent. Vérité, j'aimerai de la terre. Et les cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur. Et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui est la condition des le rang qu'il égalait à Dieu.
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur. De saint Athanase au IVe siècle, qui t'a donné cette autorité? La sagesse personnelle de Dieu, son Fils unique, a créé et réalisé toutes choses. En effet, un psaume dit « Tu as tout fait avec sagesse ». De même que notre parole humaine est l'image de cette parole qui est le Fils de Dieu, ainsi notre sagesse est, elle aussi, l'image de ce Verbe qui est la sagesse en personne. Parce que nous possédons en elle la capacité de connaître et de penser, nous devenons capables d'accueillir la sagesse créatrice et par elle, nous pouvons connaître son Père. Car celui qui a le Fils a aussi le Père. Et encore, celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Puisque le monde, avec le moyen de la sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu à travers les œuvres de la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Désormais, Dieu ne veut plus, comme dans les temps anciens, être connu par des images et des ombres de la sagesse. Il a voulu que la véritable sagesse en personne prenne chair, devienne homme, subisse la mort de la croix, afin qu'à l'avenir, tous les croyants puissent être sauvés par la foi en cette sagesse incarnée. C'est donc elle qui est la sagesse de Dieu. Auparavant, elle se faisait connaître par son image introduite dans les choses créées et, de cette façon, faisait connaître le Père. Par la suite, elle, qui est le Verbe, est devenue chair, comme dit saint Jean. Après avoir détruit la mort et sauvé l'humanité, elle s'est manifestée plus clairement elle-même et, par elle-même, elle a manifesté son Père. Toute la terre a donc été remplie de sa connaissance, car il y a une seule connaissance du Père par le Fils et du Fils à partir du Père. Le Père met sa joie en lui et le Fils se réjouit de la même joie dans le Père, ainsi qu'il le dit « J'y trouvais ma joie, je me réjouissais jour après jour en sa présence ». Thank you.
Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Seigneur Jésus, tu manifestes ta gloire en enseignant avec autorité dans le temple. Accorde-nous d'éclairer ceux qui te cherchent dans ta parole. Seigneur Jésus, tu révèles la bonne nouvelle du salut. Pardonne-nous tous nos manques de foi en ta parole. Seigneur Jésus, tu es le vrai prophète annoncé par les Écritures. Purifie notre regard, que nous sachions te voir en nos frères. Seigneur Jésus, tu nous as donné Jean-Baptiste pour mieux te rencontrer. À son exemple, fais-nous la grâce de tout quitter afin de te préférer à tout. Jamais péché ne fut en toi. Dieu t'a donné, ô Marie, un vêtement de salut, ma bien-aimée, belle et sans tache. Jamais péché ne fut en toi. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureux.
puissant, fais pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend à chaque sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur folle. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Envoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. La promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Amen, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu t'a donné, ô Marie, grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les païens m'ont conté des fables. Que valaient-elles au regard de ta loi? Pour moi, devant les rois, je parlerai de ton alliance sans craindre la honte. En ce 1er juin, frères et sœurs, l'Église fait mémoire de Saint Justin, philosophe, martyr au IIe siècle. Originaire de Samarie, après sa conversion, il ouvrit une école de philosophie à Rome. Chercheur, amoureux de la sagesse, il trouva dans le langage de la croix la sagesse véritable, la sagesse de l'amour. Au seuil de cette Eucharistie, ouvrons notre cœur à cette lumière. Que la lumière de l'amour, que ce regard de l'amour posé sur notre vie fasse la vérité. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Saint Justin, ton martyr, de trouver dans la folie de la croix la connaissance incomparable de Jésus-Christ, accorde-nous par son intercession de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermi dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de Ben Sirac, le sage. Mon Dieu, je veux te rendre grâce et te louer. Je veux bénir le nom du Seigneur. Quand j'étais encore jeune et que je n'avais pas erré ça et là, aux yeux de tous, j'ai cherché la sagesse dans ma prière. Devant le temple, je priais pour la recevoir et jusqu'au bout, je la rechercherai. Depuis qu'elle était en fleur, comme la raisin qui mûrit, elle a été la joie de mon cœur. Mon pied s'est avancé sur le droit chemin. Depuis ma jeunesse, je marchais sur ses traces. Il m'a suffi de tendre un peu l'oreille pour la recevoir, et j'y ai trouvé de grandes leçons. Grâce à elle, j'ai progressé. Je rendrai gloire à celui qui me donne la sagesse. J'ai résolu de la mettre en pratique. Ardemment, j'ai désiré le bien et jamais je n'aurai à le regretter. Avec elle, j'ai vaillamment combattu. J'ai mis beaucoup d'exactitude à pratiquer la loi. J'ai levé mes mains vers le ciel. J'ai déploré de la connaître si mal. J'ai marché tout droit vers elle. C'est dans la pureté que je l'ai trouvée. Avec elle, dès le commencement, j'ai trouvé l'intelligence. C'est pourquoi je ne serai jamais abandonné. Le Seigneur a fait briller la lumière de Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière de Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Le Seigneur. Qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Le Seigneur.
plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Alléluia, 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 alléluia. Parole de Dieu, plus coupante qu'une épée, elle pénètre au plus profond de l'âme. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples reviennent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les chefs des prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient « Par quelle autorité fais-tu cela ? Ou bien qui t'a donné autorité pour le faire ?» Jésus leur dit « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. » Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? Mais allons-nous dire des hommes ? Ils redoutaient la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus, nous ne savons pas. Alors Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous fait entendre une brève mais vive controverse entre Jésus et ses adversaires. Controverse qui porte sur l'autorité qui est la sienne, son droit de s'exprimer comme il le fait, et en fin de compte, les signes de crédibilité de la vérité qu'il propose. Qui sont ses adversaires ? L'évangéliste nous les désigne. Ce sont les chefs des prêtres, les scribes et les anciens, c'est-à-dire les trois catégories qui compose le Sanhédrin, la plus haute cour de justice en Israël, chargée d'y surveiller la foi et le culte. On ne peut donc en aucun cas lui contester le droit d'enquêter sur un prédicateur itinérant qui, en plus de l'audace de ses propos, trouble l'ordre public. Car le moment de ce débat n'est pas indifférent. Les trois synoptiques le place à la suite de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, au lendemain de son intervention pour chasser les marchands du temple. À défaut d'une chronologie précise, ça nous place au début de la semaine sainte, à quelques jours de la Passion, à un moment où les relations sont devenues très tendues entre Jésus et les autorités. C'est un peu comme si le procès commençait. Les notables ne posent qu'une seule question, « Par quelle autorité fais-tu cela ?» Sous-entendu, tu n'en as absolument aucune, ni mission personnelle, ni diplômes officiels. En fait, ils ne reconnaissent vraiment l'autorité, qu'il soit de tendance pharisienne ou de tendance sadducéenne, qu'à la loi et à ses commentaires, et c'est là que va s'insérer la réponse de Jésus. Celle-ci tient aussi en une seule phrase. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? On pourrait croire
que Jésus élude le fond du problème et tente d'enfermer dans une alternative sans issue des adversaires qui lui ont bien souvent présenté ce piège et qui sont maintenant réduits à répondre lamentablement « nous ne savons pas ». Car il fallait ou s'avouer inconséquent ou braver l'attachement des foules à Jean-Baptiste. Mais en réalité, cette question de Jésus va beaucoup plus loin. Elle met le doigt sur le cœur du problème. Si les notables n'ont pas reconnu Jean-Baptiste, c'est qu'ils n'ont pas vraiment accepté le message des prophètes, dont Jean est le dernier représentant. Ce message les dérangeait. Alors ils interdisent à Dieu d'intervenir encore au-delà de Moïse, dans l'histoire et dans la foi de son peuple. Leur religion est une religion fermée, repliée sur elle-même. Ayons le courage, frères et sœurs, de regarder les choses en face. Nous pensons, nous aussi, que la révélation est close avec la mort du dernier des apôtres et que l'on ne peut d'aucune manière aller contre l'Écriture. Mais, l'Église reste attentive à l'évolution du monde, tout en gardant le dépôt de la tradition, comme le demande Paul à Timothée. Elle ne cesse de le relire, et comme le scribe de l'Évangile, tire de son trésor du neuf et du vieux. Sous la conduite de l'Esprit, elle en extrait, pour chaque moment de l'histoire des hommes, la vérité tout entière. Fidélité et ouverture, c'est aussi un programme pour chacun de nous. D'une part, garder le dépôt, avoir le souci de ne pas s'écarter de la foi de l'Église, et pour cela, la connaître chaque jour davantage, être pleinement ce qu'un langage auquel on ne prête plus attention appelle des fidèles. De l'autre, être ouvert sur le monde. Il faut être de son temps et de son pays, aimait à répéter un archevêque de Paris, Monseigneur Darbois. C'est la condition pour qu'à travers nous, l'Église dise l'Évangile à notre temps, à notre monde. Que le Seigneur, comme le demandait saint Pierre le jour de la Pentecôte, envoie son esprit sur chacun des croyants, qu'il ouvre ainsi une ère nouvelle, une nouvelle Pentecôte pour l'Église et pour le monde. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, et du monde. Accorde-nous, Seigneur, de participer dignement au mystère de l'Eucharistie que saint Justin défendit avec courage par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyr de saint Justin. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est la plus ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre. Infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque André, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. La communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière,
dans ta bienveillance, accepte-la. Assure-toi même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude. » En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le Juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, Georges, Catherine et Chantal, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui
que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Oh, que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. » Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Thank you.
Je ne veux rien savoir sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. Qu'en suivant les leçons de Saint Justin, ton martyr, nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, demain, ce sera la fête du corps et du sang du Seigneur. Et en communion avec le pape, vous le savez sans doute, à travers le monde, de nombreuses communautés, de nombreuses paroisses proposeront l'adoration de 17h à 18h. Aussi, demain, de 17h à 18h, l'adoration aura lieu ici même, sur l'autel majeur. Ils se poursuivront par les vêpres qui seront chantées à 18h exceptionnellement et non à 18h30 comme d'habitude le dimanche. Vous êtes tous et toutes les bienvenus à cette heure d'adoration, ici même ou bien dans votre paroisse ou bien à la cathédrale Notre-Dame. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il est vraiment digne de te bénir, Mère de Dieu.